en fait, on les a accueillis autour du thème du nez rouge, qui est le thème central du cirque. L'idée, c'était de leur proposer une journée autour de ce thème-là, de leur proposer des jeux. Donc cet après-midi, de jonglage, d'équilibre, les animaux, les dompteurs, vraiment reprendre les différentes thématiques du cirque et qu'ils le découvrent à travers des animations dynamiques. C'est une organisation difficile d'un point de vue logistique, oui, parce qu'il faut prendre le temps, leur laisser leur rythme. Effectivement, il y a les passages aux sanitaires, il y a prendre le temps qu'ils se repèrent aussi, qu'ils découvrent d'autres enfants qui ne les connaissent pas, d'autres adultes aussi. Donc il faut les rassurer. Mais finalement, c'est une journée qui est bien pour eux parce qu'ils se confrontent aux autres, ils découvrent les autres et ils découvrent des lieux aussi qu'ils ne connaissent pas parce que beaucoup ne connaissaient pas encore le Parc Chava. Donc on a choisi ce lieu aussi pour le côté ouvert. Bah plutôt positivement, alors on a des réactions, les plus petits ça fait beaucoup de monde en même temps, mais finalement c'est aussi ça la vie en collectivité. Ceux qui rentrent là en grande section, donc les 5 ans et demi, 5 ans, eux bah, retrouvent cette journée avec joie parce qu'ils le connaissent des années, des étés précédents. Et puis non, de manière générale, je pense que les images parlent d'elles-mêmes, ils sont plutôt contents d'être là. Aussi facilement que sur une autre sortie, avec une appréhension j'imagine parce que le transport en bus, parce qu'à l'extérieur, mais après ils confient les enfants au centre de loisirs, ils confient les enfants aux animateurs et aux directeurs. C'est une relation de confiance qui s'établit et puis finalement quand on en discute avec eux, quand on leur montre l'intérêt aussi de ce type de journée avec tous les autres centres, ils comprennent que et ils adhèrent. Finalement c'est sympa de se dire « Oh, vous allez voir tous les autres, vous allez rencontrer des enfants qui habitent aussi la communauté de communes comme toi en parlant à leurs enfants ». Donc non, c'est intéressant. Alors ce matin, on a accueilli la troupe Landry, qui est une troupe de cirque. C'est un couple qui est venu avec chat, chien et un singe et des colombes. Ils nous ont fait un spectacle avec aussi de l'équilibre, avec du cerceau, tout ça. Donc les enfants ont pu assister à ce spectacle et découvrir déjà le cirque comme on le connaît par des professionnels. Ensuite, on a mangé tous ensemble au restaurant scolaire de l'école de Podensac. Et ensuite, nous sommes là maintenant cet après-midi au parc pour profiter des jeux préparés par les animateurs de chaque centre. C'est un long travail, en fait, c'est en deux temps. Il y a d'abord vraiment la partie qui appartient au directeur qui met en place et qui a réfléchi cette journée-là d'un point de vue purement autorisation d'accès au parc, voire avec la mairie pour les autorisations aussi des véhicules puisqu'on a fait installer des sanitaires en plus, gérer le nombre de repas. Donc c'est purement logistique. On va dire en amont. Il y a aussi toute la partie réflexion pédagogique sur qu'est-ce qu'on attend de cette journée, qu'est-ce qu'on attend des animateurs, qu'est-ce qu'on attend aussi des collègues directeurs. Et ensuite, un travail d'équipe dans les structures sur voilà ce qui est demandé, voilà où on va, voilà le thème et l'intérêt de cette journée pour les enfants avant tout.